السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Très beau, comment expliquer cette joie, cet amour, comment expliquer cette joie, cet amour partagé avec ces Algériens? Surtout, j'ai vu plein de photos à la fin du match. Ouais, c'est vrai que c'est un amour que je porte depuis que je suis petit. Comme je dis, je suis fier d'être Algérien, je suis fier d'être Tunisien, je suis fier d'être et de représenter la Tunisie aussi. Mais bien sûr, on est des frères avant tout, avant le football, avant ceci, on est des frères et il ne faut pas l'oublier, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Alhamdoulilah, aujourd'hui on a vu que voilà, on était en réalité un peuple et c'est le plus important, c'est ce qui fait le plus plaisir. Alhamdoulilah, c'est normal, les photos, les gens ils sont contents, on est contents, tout le monde il est content, alhamdoulilah. Avant de parler tactique, est-ce qu'il y avait un petit peu de la fatigue, surtout pour vous avez joué deux matchs avec un déplacement lent. Ouais, c'est vrai qu'il y avait de la fatigue, énormément de fatigue. Les matchs ils étaient assez difficiles de par la chaleur, l'humidité à Malabou. C'était compliqué en plus, voilà, à la fin d'année, il y a une grosse saison qui vient de passer. Donc c'est normal que le corps il commence à dire stop, ça commence à tirer un peu de tous les côtés. Mais alhamdoulilah, maintenant c'est les vacances, on va profiter pour venir encore plus fort la saison prochaine. Et voilà, se préparer du mieux qu'on peut pour pouvoir encore continuer une saison pleine, Inch'Allah, on espère. Et... Trop de stars dans le match, surtout hein? Trop de stars dans le match, trop d'énervement, trop d'engagement. Et nettement, c'était l'accrochage avec Benoît. Ouais, après, c'est pas important. Je pense que voilà, à la fin, le coach est venu, on a faim. Ils ont discuté, il n'y a aucun problème. Donc, alhamdoulilah, tout se passe bien, c'est comme ça, on est tous des compétiteurs. Tout le monde y veut gagner, que ce soit à l'Algérie ou à la Tunisie, ça reste un derby. Donc voilà, sur le terrain, ça chauffe un peu, mais avant et après, il n'y a aucun problème, et c'est le principal. Et alhamdoulilah, comme je dis, on est un peuple, c'est le principal. Bravo au public tunisien qui était aujourd'hui. Exactement, ici, mais ouais. Malheureusement, malgré que c'est trop proche entre Annebe et Tunis, on aurait pu mieux voir beaucoup plus de supporters côté tunisien. Oui, non, après, c'est vrai que déjà, on remercie ceux qui ont fait le déplacement, après... Après voilà, est-ce qu'il y aurait pu avoir plus ou pas? Oui, non, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, on remercie les supporters tunisiens qui ont fait le déplacement, qui nous supportent à chaque match, ça fait toujours plaisir. Ouais, y a pas, ouais, c'est ça, c'est le derby. On le savait aussi qu'ils avaient à cœur de gagner, on voulait aussi gagner. Donc voilà, comme tu as dit, c'est un match amical, c'est juste le mot. Mais les deux équipes avaient envie de gagner, je pense que ça en ressort quand même un bon match avec pas mal d'engagement. Et voilà, comme je dis, avant le match, après le match, on est des frères pendant le match. Tant que tout se passe bien, que voilà, on reste des frères pendant le match aussi. Après voilà, avec les compétiteurs, tout le monde veut gagner, donc c'est normal que ça chauffe un peu. Mais il n'y a aucun souci. Franchement, un grand merci au public algérien pour l'amour qu'ils m'ont donné. Ça m'a fait chaud au cœur qu'ils scandent mon nom. Et puis franchement, ça m'a fait plaisir et ça m'a touché. Et je tiens à les remercier, je leur souhaite le bien. Je souhaite le bien aussi à l'équipe nationale d'Algérie. J'espère qu'ils pourront être au plus haut, Inch'Allah. Et vraiment, ça vient du cœur, je le pense. J'espère qu'ils iront au plus haut. Et un grand merci aux supporters algériens pour leur amour. Assalamu alaikum. La tansaw l'a'jaba bil video wal ishtiraka fil qana. Tashji'an lana linastamirra binashri al-mazidi, Inch'Allah.